Allez, troisième partie de 50e état. Alors, cette fois-ci, on va tenter le troisième automa. Un automa qui, lui, travaille donc avec trois decks. Un deck de niveau 1. Hein, ce seront ses cartes d'attaque. Un deck de niveau 2. Et un deck de niveau 3. Ah, mince. La différence entre ces trois decks, c'est que en fait, on va piocher une carte au début de chaque round en fonction du nombre de lieux qui seront présents dans notre état à nous. Hein, dans notre état à nous. Si par exemple on a entre 5 et 8 lieux, ben c'est là-dessus qu'on va piocher sa carte du round. En fait, à la première action de son round, on va retourner la carte et dessus il y aura son type d'attaque. Alors, il y a trois types d'attaques. Soit il nous attaque dans les lieux, dans nos lieux. Soit il nous attaque dans les cartes qu'on aura en main. Soit il nous attaque sur nos, comment dire, sur nos affaires. Sur nos affaires. Le principe, une attaque en main ou une attaque sur nos lieux, c'est la même chose. On pioche une carte comme dans le jeu de base. On pioche une carte, on vérifie les icônes et puis ben, on défausse sa carte. Si elle est en main, on la défausse, et si elle est sur le plateau, eh ben on la retourne et devient une ruine. Par contre, si c'est une affaire, ben on regarde le champ affaire de la carte qu'on a piochée, et si il est commun, eh ben on la défausse. On la défausse, et lui, il gagne des points de vie, des points de victoire. Ils sont écrits ici, sur la carte, hein, mais côté verso. Voilà. Ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, comment dire, au début, enfin c'est à peu près la même chose, un petit peu partout. Au début, ce qui se passe, c'est que quand même, quand nous, on va choisir nos six cartes, quand moi, je vais choisir mes six cartes de départ, hein, enfin non, pas six cartes, que je vais choisir mes quatre cartes par rapport aux six cartes que je vais piocher, eh ben, il y en a une parmi ces quatre cartes qui sera en fait mon site principal, mon QG, on va dire. Et celui-ci, il ne pourra pas être détruit par l'adversaire. Il ne pourra pas être détruit par l'adversaire. Il ne sera jamais détruit. Donc il est important de, comment dire, de bien choisir son site. Et puis, la fin de partie, ben, ce n'est pas compliqué. La fin de partie, c'est lorsque le premier joueur a atteint 25 points, on finit le round et après, pour gagner. Contrairement au jeu de base, hein. Pour gagner, il faut deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que on ait plus de lieux posés que lui. Hein. Et deuxième condition, il faut avoir plus de points de victoire que lui. Si on n'a pas ces deux-là, on perd. Alors que dans le jeu de base, on comptait nos lieux, etc. Non, non, là, non. Il faut avoir plus de points de victoire et plus de lieux que lui. Donc, lui, comme il joue au niveau des lieux qu'on lui donne, il joue comme dans la boîte de base, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il a trois lieux, et ben, il a vite fait d'avoir, au troisième tour, il a déjà neuf lieux. Hein, neuf lieux, ça va nous obliger à piocher ici, si nous, on veut avoir plus de lieux que lui. Hein, donc, il va fa vraiment falloir jouer très 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 vite. C'est ça le principe de jeu, j'ai l'impression qu'il faut vraiment jouer très très vite, sinon après on est cuit. C'est la seule chance qu'on puisse avoir. Hein? J'ai déjà fait une partie, alors je me suis aperçu après que je m'étais trompé sur deux choses, donc j'ai même triché, sans savoir, et même en trichant, j'ai même pas réussi à gagner. Hein? C'est quand même extrêmement dur. Hein? Hein? Il est extrêmement dur. Hein? Il est, je dirais, quand même moins dur que celui avec le dé, parce que celui avec le dé, le problème, c'est qu'on tire. Comment dire? Il joue vraiment potentiellement à tous les tours. Enfin bon, on verra bien. Alors là, déjà, on va commencer nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6 cartes. Parmi nos 6 cartes, laquelle on va considérer comme notre QG? Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le repère des voleurs. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 sur cette carte et 2 meeples durant la phase d'entretien. Reprenez-le durant la phase de production. Ça, c'est pas mal, ça protège.
Là, parking, je produis ça constamment. C'est pas mal non plus. Ça, production. Ah, c'est aussi de la production, c'est bien. C'est de l'essence. Okay. Ça, vous pouvez stocker jusqu'à 3 sur cette carte durant la phase d'entretien. Là, c'est pour stocker des ressources. Production ouverte, une brique. Alors là, je suis un peu mal. Enfin, un peu mal. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé avoir une carte avec des points de victoire. Mais là, j'en ai pas du tout. Ceci dit, on va dire que celle-ci, elle me donne une. Moi, c'est intéressant quand même, parce que ça me donne des. Je peux poser des sites grâce à ça. Celle-ci aussi bien. Celle-ci, je pourrais avoir une munition. Très important les munitions. Parce que sur ces cartes-là, il va falloir des fois défausser des munitions. Et c'est vraiment des munitions qu'il faut défausser, c'est pas n'importe quoi. Celle-ci, je dirais non. Celle-ci, production ouverte, là je gagne une brique tout le temps. Une brique, c'est pas mal des briques. Je sais pas trop si je prends celle-ci, elle est quand même bien. Allez, on va prendre ces quatre-là. Problème, c'est que ça ne va me faire qu'un bidon. Mais bon, il me faudrait quand même deux bidons. La brique est pas mal, la brique. La brique, c'est pour upgrader mes sites. Parce qu'il va sûrement m'en détruire. Et je suis obligé de faire un choix. Si celui-là, je me dis qu'il ne détruit jamais. Ouais, bien quand même avoir des bidons plus qu'une brique. Allez, si j'arrive à mettre ça en d'accord, on va plutôt faire ça. Allez, ok. Donc, on a pris ça. À quel lieu on va considérer? Ça va être notre un lieu, celui-là ou celui-là, peut-être celui-là. Allez, allez, on va dire que toi, tu es notre lieu. Notre QG, on va dire. Avec peut-être un petit jeton pour le mentionner. Ensuite, on proche les quatre cartes habituelles. Une, deux, trois, quatre. Sachant que lui, il va prendre aussi la troisième. Donc, production ouverte. Là, c'est pour gagner un engrenage. Ah, production ouverte. Je gagne ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ces deux-là sont bien. J'aimerais bien avoir les deux. Ouais, parce que là, ça me file des points de victoire. Ok, bon, bah, je prends celle-ci. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Il prend encore une production verte en essence. Et je vais prendre ça. Celle-là. Ça peut me faire gagner des points pour poser des sites. Ça peut être intéressant. Les véhicules de chantier, et lui, il prend ça, c'est un spécial. Voilà. Ensuite, j'ai donc combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est bon. C'est bien ça qu'il me faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut tout simplement qu'on prenne nos la production. Lui, production, c'est pas dur, c'est 2 points de victoire. Moi, c'est mes classiques, trois personnages, un engrenage, mince. Je dirais même deux engrenages, parce que ici j'ai une production. Un. Deux engrenages et un jeton gris et une carte.
Alors, sur ce site-là, si, comme c'est mon QG, si c'est une production tout court, je peux pas la toucher quand je la pose, hein, au départ. Si j'avais eu un bonus de production, j'aurais pu le gagner. Qu'est-ce qu'on a ici? Dépenser un meeple et n'importe quoi pour gagner un point de victoire peut être activé deux fois. Ça vaut 1. Et en bas, je vois munitions. Très bien, ça. Ok, j'ai mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ici, dans les cartes, comme j'ai dit qu'il attaquait 3, 3, il a trois possibilités d'attaque. Soit il attaque nos cartes, soit il attaque nos sites, soit il attaque nos affaires. Il attaque nos affaires. Si il retire ici attaque, lieu ou affaire, moi je suis tranquille, je suis tranquille, tant qu'il n'y en aura pas, il ne va pas attaquer. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de la ressource qui veut attaquer, il pioche même pas de carte. Hein, il pioche même pas de carte. Ah, ici j'ai pas retourné les deux. Donc ici on a deux punks et deux marchands. D'accord. Je me demande si je vais pas. Je me dis, j'aimerais bien faire des affaires. Je pense que pour deux, je vais prendre la carte bleue pour avoir des marchands. Voilà. À lui, qu'est-ce qu'il fait? On a moins de 4 lieues, de 5 lieues. Il attaque mes lieues. Il attaque mes lieues. Pas de chance, hein? Et donc, il faut que je défausse deux jetons rouges, sinon il m'attaque. Là, malheureusement, j'ai aucun lieu. Je n'ai aucun lieu, il me faudrait des jetons rouges. Pour avoir des jetons rouges, il me faut un pistolet. Ou ça. Alors, j'ai pas des cartes avec des meeples. J'ai rien. Et des jetons rouges. Ah, si, je pourrais. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, je vais dépenser ça pour gagner deux pièces. Je mets ça là. Deux jetons bleus. Ok, deux jetons bleus. Ce que j'ai bien envie de mettre. Celle-là, j'ai envie de la garder quand même. Je me dis ça. Celle-ci, j'ai bien envie de la mettre en vente pour gagner une munition. Une munition, ce qui est bien, c'est qu'une munition, ça remplace n'importe quelle ressource. Donc, je la dépense 1. Je dépense 1. Et je gagne une munition. Voilà. Voilà, lui, j'ai fini mon tour. Donc, lui, il va m'attaquer, mais il n'y a pas de lieu. Parce que celui-là, il ne peut pas l'attaquer. Hein. Il n'a pas le droit de le détruire. À moi, ce que je veux faire, c'est ça. J'ai envie d'aller là et de transformer mon pistolet en deux jetons bleus, deux jetons rouges, pardon, deux jetons rouges. Voilà. Que je pourrais. Enfin, ouais, je vais changer ça contre ça, on va dire. Comme ça, j'ai fait l'action. Voilà. Je pourrais les mettre gratuitement. En fait, mettre les jetons sur les cartes, c'est gratuit. Hein? Mettre toutes les ressources sur les cartes, c'est gratuit. Je pourrais le faire maintenant. L'intérêt, c'est que je pourrais faire une production ouverte avec un de mes pions. Je pourrais faire une production ouverte avec un de mes pions. Ça lui fait quand même gagner un point de victoire. Mais moi, je gagnerais une ressource. Et qu'est-ce qui m'intéresserait? Donc là, j'ai pas mal de lieux à poser. J'ai ça. Ah non, là, je pourrais poser mon truc. Mais il m'en faut trois. D'accord. Ok, donc il m'en faut trois. Là, j'en gagne trois. Ok. Donc on y va. Je prends ces deux-là. Je dis, bon, bah tiens, toi, bah, tu vas pas m'attaquer. Donc lui, c'est fini. Il m'attaquera pas. Ensuite. Je me dis. C'est laquelle que j'ai mise là? Je regarde vite fait.
Ouais, c'est celle-ci, d'accord. Celle-ci aussi, elle avait. Donc après, donc lui, il m'attaque plus. Donc maintenant, je peux finir mon tour comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Celle-ci, j'ai bien envie de la poser. Ah ouais, mais je gagne que 2. Ah ouais, je gagne que 2. Ah oui, là, c'est 1. Et là, il m'en faut 2. Est-ce que je mets ça aussi en... Ça, c'est pas mal, ça, pour gagner des points de victoire. 2 points de victoire à Meeple et n'importe quoi, je gagne 2 points de victoire. Ok. Donc pour 1, je pose ça. Et je gagne donc 2 jetons. Ok. Production verte, hein, je gagne 2 jetons. Après, avec ces 2 jetons, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux plotter une plateforme? Mais la plateforme n'est pas très utile. Mais celle-ci, le problème, c'est que ça vaut 3. 3, je n'ai que 2. Là, on peut stocker des choses. Ou alors, je mets en... Ça me rapporte des points de victoire. Mais aussi... Ça, c'est important. Celle-ci, j'ai bien envie de la mettre. Un jeton bleu, gagner une autre. Voilà. Une autre munition. Cette munition, ici, je dépense un engrenage pour gagner un petit jeton. Après, ça m'en fait 3. 3. Je peux poser ce site-là. C'est une action pour 3. Voilà. Ok. Et enfin, je pose ça plus ces 2-là. Et ça me fait 3 points de victoire. Donc là, le tour, il est fini. On range tout. J'ai eu un peu de chance. Il ne m'a pas attaqué. Donc je défausse aussi ça. Voilà. Ça, on défausse aussi. On prend les nouvelles cartes. Pistolet pour 3. Et 2. Marchand 2. Ok, on prend nos cartes. 1, 2, 3, 4. La cinquième, c'est pour lui. Encore une production ouverte. Ben, il en a de la production ouverte. Qu'est-ce qu'on a? Une brique par perso. Bonus, là je gagne 3 pistolets. D'accord. Là, je véhicule de chantier, je gagne encore des nouvelles cartes. Et ça, je gagne des points de victoire. Je prends ça. Je prends ça. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Ah, il prend ça. Dommage. Production ouverte encore. Je sais pas trop où les mettre. Parce que là, il me prend de la place, là. Bon, je la mets là. Ok. Qu'est-ce que je vais me prendre après, moi? Une brique ou des pistolets? Là, j'aurai un pistolet à tous les tours. Là, je pourrais avoir une brique. Peut-être prendre la brique. Et ça vaut 2. Ouais. Allez, et lui, il prend ça. Spécial. Ok. Donc, il a... Ah, pourquoi il n'a que 5 cartes? Ah non, 6 cartes. Ok. Moi, j'en ai 3. Phase de production. Donc, lui, il gagne 2. Moi, je gagne 3 persos, 2
Alors ça utile, ça très utile. Un jeton gris, une carte. Qu'est-ce qu'on gagne comme carte? Ah, des personnages, c'est pas mal ça. Une carte après 1, 2, 3. 3, 3 engrenages. Là, c'est maxi 3, hein, donc 3 engrenages. Et un jeton gris. Voilà, donc on a quand même pas mal de matos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me dis que j'ai envie de faire ça déjà. Je mets un perso et deux engrenages pour gagner 3 points de victoire. Voilà, ça c'est déjà ça. Lui, qu'est-ce qu'il me fait comme attaque? Ah, les cartes en main. Un gris et un perso. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Heureusement, j'ai ce qu'il faut, mais par contre, il m'attaque quand même. Il m'attaque avec ça. Engrenage. Eh ben, il m'attaque celle-ci. Mince, celle-ci. Paf de navire. Ouais, engrenage. C'est la seule. Donc, il me l'attaque. Donc, il gagne. C'est marqué un point de victoire. Et c'est une carte dans ma main, donc c'est pas une localisation. Ok, donc j'ai plus que. Ouais, j'ai quand même encore trois sites, hein, c'est bon. À moi. Bon, moi, j'ai bien envie qu'il m'attaque plus. Hein. Alors. J'ai bien envie. Alors, est-ce que je fais une production quand même avant? Chez lui. Ça m'intéresse pas. Je pourrais gagner des persos. Ouais, bon. On lui interdit de d'attaquer. Voilà. Toi, je t'interdis d'attaquer. Paf, fini. Hop, on arrête. Donc, tu m'attaques plus. À moi. Ce qui serait bien, c'est si j'arrivais à poser, à gagner pas mal de points de victoire. Mais là, j'ai rien. Ça, je pourrais gagner deux meeples. Avec deux meeples. Les stocker jusqu'à 3 ressources. Ça, c'est pour gagner. Là, en fait, j'ai plus rien en point de victoire là. Hein. Là, j'ai rien en point de victoire. C'est bien dommage. Ouais, j'ai rien en point de victoire. Donc, je vais peut-être. Et par contre, j'ai des ressources. Hein. Est-ce qu'avec ça, je prends ça? Mais je peux plus l'attaquer après. C'est pas grave. Je pourrais au moins prendre la carte. Bon, je pose ça. Pour 1, je pose ça. Voilà. Donc je gagne 2 meeples. 2 meeples. 2 meeples. Ensuite, j'arrive à 4, hein. Ensuite, si je dépense ça, je vais gagner qu'un seul engrenage. Hein. Et deux bidons, ça va me servir à rien. Ah, si je peux peut-être stocker. Ah ouais. Donc avec ça, je prends un jeton. Ça, c'est mon problème. C'est que j'ai un jeton. Je gagne qu'un seul jeton. Ah ouais, je gagne qu'un seul truc. Ouais, mais il faut que je la pose. Donc avec ça, je pose mon spécial. Voilà, spécial. Vous pouvez stocker jusqu'à 3 ressources. Donc ça, j'en ai malheureusement, j'en ai 5. Et donc il va piocher là au prochain tour. Ensuite. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que pour deux, je prends une carte? Parce qu'il me faudrait des cartes d'objectif quand même. Hein.
Le problème, c'est que là, ça me sert à rien parce que ça me sert à rien. Ben, on va peut-être faire ça. Peut-être en mettre une en. Voilà. Si je prends ces deux-là. Ouais, je prends ces deux-là. Je dis que ce sont deux bidons pour avoir deux jetons bleus. Deux jetons bleus. Avec mes deux jetons bleus, j'ai bien envie de remplacer ça. Voilà, la mettre là pour gagner en fait une brique. Pour gagner une brique. D'accord? Ok, et après, je prends deux. Pour prendre laquelle? Celle-ci aussi, je pourrais la mettre. Après, j'ai que deux cartes. Hein. Après, j'ai très peu de cartes. Mais ça me fait gagner un peu de chaque ressource. Ou alors, j'ai l'attaque. Mais il faut que je dépense un pistolet. Mais pistolet, ouais, j'aurais peut-être ça. Ouais, je prends ça pour demi-pull. Voilà. Puis après, bah celle-ci, je peux la stocker. Hein. Voilà. Donc après, c'est fini. On ramène tout. On ramène tout. Hop. Voilà. Problème, c'est. J'ai perdu ma carte d'objectif là. Et comme je suis passé à 5, maintenant je vais être là. Ça, c'est pas un bon choix. Mais bon, c'est pas trop. Hein, il faut qu'on voit. Et puis surtout, il faut que je monte des objectifs, moi. Celle-là, on la défausse. On met deux nouvelles cartes. Gagner deux petits punks. Ou l'autre, gagner ben, deux. Toujours les marchands à deux. On a nos quatre cartes. 1, 2, 3, 4. Sa cinquième, c'est ça. C'est une action. Une action. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des points de victoire, s'il vous plaît. Aucun point de victoire. Aucun point de victoire. Là, je gagne un pistolet quand même. Ça vaut pas cher. Allez, on prend ça. Lui, qu'est-ce qu'il prend? 5-6, il prend ça. Production ouverte. Ouais, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est. Moi, je vais prendre celle-ci. Et lui prend ça. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Moi j'ai ça. Ma phase. Donc ma phase. Une brique. Deux. On ne voit pas. Deux, trois personnages. On va dire même quatre personnages. Ok, un engrenage, 1, 2, 3, et ben ça me fait 4 engrenages, c'est bon, un jeton, plus un jeton, ça fait 2 jetons, voilà, c'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai pas dû prendre ma carte. Non, j'ai pas dû prendre ma carte. Je prends ma carte. Ah, des points de victoire. Ah, mais il me faut des pistolets. Ah, là, j'ai du pistolet.
Ok, peut-être notre chance. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce tour-ci? Est-ce qu'on fait ça pour déjà gagner? Allez, 1 plus 2 pour faire 3 points de victoire. Lui, il doit être là. Oui, lui, sa production. On est au troisième tour. Ouais. Alors moi, 3. 1, 2, 3. Moi, je suis passé devant. Lui, par contre, c'est ici son attaque maintenant. 3 bleus. 3 bleus sur mes lieux. 3 bleus. Bon, pour avoir des bleus, ça va être impossible. Pour avoir des bleus, il me faut des bidons. Ah, deux bidons, j'en ai que deux. Ah ouais, ça. Il va m'attaquer au moins deux fois. Donc ça, une attaque. Pistolet étoile. J'ai de la chance. Pas de pistolet étoile. Pas de pistolet étoile. Là, il y a étoile. Mais... Ah non, si, c'est mon dieu. Oh mince. Je croyais que c'était mon dieu protégé. Donc je gagne un engrenage quand même. Et lui, il gagne deux points de victoire. Ah. Deux points de victoire. Ah oui, je croyais que c'était mon dieu protégé. Une étoile. Ouais, c'était mon dieu protégé, je croyais. Mais non. Ah. À moi. Pour avoir trois jetons bleus, mais ça va être très long. Et je prends deux meeples pour gagner cette carte. Lui, il me réattaque. Étoile bidon. Ah, oh, c'est ça qui me détruit. Étoile bidon. Ouais, il me détruit ça. Donc, il gagne encore deux points de victoire. Moi, je gagne quand même quelque chose. Un bidon. Ce qui était stocké, en fait, ça repart ici. Hein. Je la garde. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il a monté de 2, hein, c'est ça. Il m'a détruit. C'est bon, je crois. À moi. Je prends ça. Pour gagner deux jetons bleus. Ah oui, mais il va encore m'attaquer. Ah ouais, parce que là, je ne gagne pas. Il m'attaque encore une fois. Ouf. Alors là, par contre, j'ai de la chance. Il n'y a pas. Donc là, il me rate. Donc pas de point de victoire. Moi, je joue ça, plus ça. Voilà. Donc c'est bon, là il m'attaque plus. Oh là là. Il m'a vraiment plombé là. Maintenant il faut vite que je rattrape tout ça là. Donc j'ai deux briques, ça, deux briques c'est pas mal. Deux briques ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Avec une brique je peux poser ça. Tiens, je vais remplacer par les bidons. Les deux bidons que j'ai mis. Comme ça. Je sais que je les ai utilisés. Alors, il faut que je grade mes sites. Là, il me faut du pistolet. Du pistolet. Il faut des points de victoire, quoi. Des points de victoire. Au moins, il ne peut plus m'attaquer. Ça, c'est bien. Ça, je peux gagner un meeple. Mais non. Non, non. Il me dit en upgrade ça.
Bon, allez, on upgrade. On upgrade celle-ci, donc avec une brique. On upgrade celle-ci, on la remplace par ça. Et on gagne un point de victoire, quand même. Ensuite, j'ai bien envie d'upgrader l'autre. Mais en posant quoi? En posant ça. Ça, je gagne un pistolet. Pistolet demi-pull. Ouais, je pose. Est-ce que ça vaut le coup? Vaut mieux upgrader ça, ça vaut moins cher. Ouais, mais là. J'avais envie de poser ça. Serait bien d'arriver à 7, quoi. Cette carte, mais après, j'en ai plus aucune. Hein. Les 3 points, ils me servent à rien. Bon. Me dit que. Alors, celle-là, je pourrais y poser tout. Bon, on va essayer. Donc, on upgrade ça. Donc, celle-ci, elle part à la poubelle. On gagne un petit point de victoire. Donc, ça nous fait une nouvelle production. Donc, ça, je vais les mettre quand même comme là. On va juste mettre comme ça, production verte. Donc, ici, je l'ai upgradé. Ça me fait toujours 5 lieues. Et je gagne un bidon par bidon. Ouais, bon, j'avais rien. Donc, un seul bidon. Je gagne un bidon. Ensuite, je pose avec un jeton, je pose ça. Ok, j'ai posé ça. Mais j'ai rien comme stockage. Ah, je croyais que c'était des stockages, mais c'est pas des stockages. D'accord. Ça, c'est à moi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ah oui, mais c'est ma brique. Hein. J'ai upgradé avec ma brique. Donc maintenant, j'ai quoi? Un petit bidon, bah on va prendre un bidon qui me sert à rien. Un bidon qui me sert à rien pour gagner demi-pull. Voilà. Les demi-pull, est-ce que je prends une carte? Ce serait pas mal de prendre une carte. Pour demi-pull, je prends une carte. Allez, une bonne carte. Ah, bien, bien. Une bonne carte. Ça, c'est bien. Elle est bien, cette carte. Est-ce que je la pose? Ouais, je peux la poser. Donc, je pose ça. Pour prendre un jeton gris, ça me fait deux jetons gris. Je la pose, c'est une action. Je pose ça plus ça pour gagner 2 points de victoire. Voilà. Et celle-ci, malheureusement, je peux me la mettre en affaire. 5, 6, 7. Je vais me la mettre en affaire. Avec un bleu. Un bleu, je me dis, tiens. On se la met en affaire et j'ai plus aucune carte. Ouf, et donc fin du tour. Donc j'espère que les prochaines, ils m'attaquent la main. Ça serait bien. Ça serait un truc sympa. Donc après, on défausse tout. On défausse tout. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai par contre 7 lieues. Phase d'entretien. Ça, on défausse. Ça, deux ou trois, c'est le. Il me reste encore 3 tours. Hein. 3 tours parce que après c'est pas bon. Donc j'ai que ma carte voyou. Donc après on va se prendre 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-ci est pas chez lui. C'est quoi? Production ouverte. Encore de l'essence. Ouais, production ouverte. Après,
Chauffry, on a des bonhommes. Et on gagne des jetons bleus. Par contre, elles valent vraiment pas cher. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est quand même pas mal. Elles valent pas cher. Bon, la chaufferie, elle vaut un peu plus, mais on gagne deux persos tout le temps. Pour gagner un jeton bleu. Des jetons bleus, j'en ai peut-être besoin, moi. Bon, on va prendre. J'ai une chance sur trois. Après, je peux quand même reprendre des persos. Et là, j'ai quand même un jeton bleu avec un bidon. Des bidons, j'en récupère. Donc, je vais essayer ça. Juste un jeton bleu. Hein. Ça, lui, qu'est-ce qu'il prend? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, il prend celle-ci. Production ouverte, 2 meeples. Il y a beaucoup trop de choses là. Moi, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celle-ci. Prendre celle-ci. Et lui, il prend ça. C'est un spécial. Spécial, voilà. Donc ça lui fait. Mince, ça lui fait combien de cartes maintenant? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. 4 fois 3, 12. C'est bon. On n'a rien détruit. Phase de production. Ouais, mais j'ai que deux cartes. Ouais. Ah oui, mais je vais peut-être gagner des meeples pour aller chercher des cartes. Donc, un pistolet. Une brique. Deux munitions. Trois personnages. Alors, les persos. Trois, quatre personnages. Quatre personnages. C'est bon. Les engrenages. Un. Un, deux. 3. 3 engrenages plus un 4, ça fait 4 engrenages donc. Un qui est ici et là, 1, 2, 3. Voilà. Ok, ensuite, des jeux, une par bidon. Une seule. Et le perso, je l'ai pris. Et un gris. Donc 2 gris. Voilà, 2 gris. Plus une carte. C'est quoi comme placer 3? Ah, c'est pas mal ça. Peut-être pas mal. En fait, l'intérêt, c'est que là, elles valent pas cher les cartes hein, à poser. Donc ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus la carte 17. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 16, 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Donc à nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, il me faut deux armes. Me dit que je vais prendre quand même ça, plus un engrenage pour. Ou alors je vais faire une production ouverte. Ah oui, ben lui, il mettait 2 points de victoire, hein, sa production. Production ouverte, qu'est-ce qu'il avait, lui? Il avait des jetons. Une brique. Deux meeples. J'en prends un, j'en gagne un. Ouais, c'est comme si j'en gagnais un. Après, j'ai ça. J'ai des bidons. Ouais, j'ai ça ou des bidons. Des bidons. Permettre de me faire peut-être un peu, mais j'ai quand même des trucs. Me dit que les meeples, ça serait bien. Non, allez, on fait ça d'abord. Donc, hop, je gagne 2 points de victoire. Lui, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est ça. Les deals. Il faut des. Alors là, c'est bon, je pourrais en défausser. Donc, qu'est-ce qui va me détruire? Une brique. Mince! Et 2 points de victoire. Ah là là, les deals, ils me virent une.
Ah, me vire la brique. Donc là, moi, par contre, je vais défausser les trois ressources là qu'il me demande. Pour plus qu'il m'attaque. Ok, ça c'est bon. Maintenant, il m'attaque plus. Moi, lui, il a quand même 12, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il va falloir que... Alors, où est-ce que j'y vais? Je vais prendre deux meeples. Ouais, avant de les mettre, peut-être. Avant de les mettre, je vais peut-être faire ça pour prendre deux meeples. Allez, avant de les mettre, hein, je faisais ça. Donc, lui, il prenait un point de victoire. Et moi, je gagnais deux meeples. Voilà. Je faisais quand même ça avant. Je faisais ça avant. Donc après, je le bloquais. Donc lui, il passe. C'est à moi maintenant. Et je peux gagner 3 points de victoire. Donc avec ça, je peux gagner aussi des meeples. Hein. Ouais, non, non. Ça ne me servait à rien. Donc non. Non, non, je faisais pas cette boulette. Donc lui, il restait là. Quoique. C'est ça, j'en gagne 2. 2. Non, j'ai pas de point de victoire. 2. Donc. Là, je peux plus l'attaquer. Donc. D'accord, donc on va essayer de poser tout ça. Hein. Donc ça, je pose pour 1. Pour 1, je pose ça. C'est exactement la même. Ouais. Donc je gagne 2 persos. Pour un jeton. Ok. Ici, je prends... Deux pistolets et un personnage. Oui, deux pistolets et un personnage pour gagner 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Ok, ensuite. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien envie de prendre 2 pour prendre une carte. 2 pour une carte. Encore des persos. Ben, 1, je le pose. Je gagne encore 2 persos. Voilà. Ensuite. Ensuite, je reprends 2 pour reprendre une carte. C'est quoi ça? Vous pouvez stocker jusqu'à 3. Ok. Les stockages. Ensuite, est-ce que j'en prends encore? Là, je pourrais gagner un pistolet. Ah, c'est pas mal là, parce que là, il me faut 2 pistolets. Ouais. Jusqu'à 3 ressources, ça c'est pas mal quand même. Bah, c'est pas grave. Là. Et là, je gagne dépenser un bidon. Et ouais, je suis obligé. Alors, est-ce que je dépense 3? 2 pour prendre encore une carte, allez. D'accord. Ça, c'est bonus. Point de victoire. Pas très utile, celle-ci. Il faudrait peut-être que je la détruise.
que je dois mettre en affaire, mais là j'ai rien. Ensuite, j'en prends un pour prendre un ticket. Et lequel que je pose, lequel je pose? Est-ce que je pose celui-là pour stocker? Celui-là, il va me servir à rien. 3. Ah si, je pourrais mettre du deal. Ah ouais. Je vais poser ça. Voilà, je pose ça. Je pose ça pour 1. Ok. Et je peux poser 3. 3. 3 trucs. Voilà. Et qui peuvent rester en fait, hein, la phase d'entretien. Et j'en prends 2 pour gagner 2 jetons bleus. Et pour lesquels je mets ça en vente. En affaire. Ça va me faire gagner un point de victoire. Tu as dit que celle-ci, j'aurais pu la mettre aussi. Peut-être tout à l'heure. Un point de victoire. Donc ça me fait 2 points de victoire. Voilà. Et ensuite, je ne peux malheureusement plus rien faire. Donc ma brique, elle est un peu perdue. À moins que j'upgrade un site. Ah oui, ça je peux échanger pour gagner 2 meeples. Ah mais j'ai pas vu. Action. Voilà, donc là. Ah ouais, je peux peut-être y mettre là. Un petit, je gagne 2 meeples. Avec ces 2 meeples, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais mettre tout en affaire. Comment ça, tout en affaire? Je peux l'échanger contre rien. Je peux prendre une carte. Je peux prendre une carte. Ah oui, je peux prendre ça. Ouais, on prend ça. Alors, ces deux-là, est-ce qu'on prend ça ou une carte? On va peut-être prendre une carte pour 2 meeples. Je prends ça pour 2 meeples. Ok. Bon, bah, c'est bon. On arrête. Donc, tout ça, on finit. Donc, on a tout perdu. Mais on a un paquet de lieux. Voilà, celui-là, on lui a bloqué son attaque. Celle-ci reste, par contre. Ça rentre. Ça part. Ouais, mon souci, c'est que je perds ma brique là. Problème, ouais, j'ai perdu ma brique. Voilà. Tour suivant. Donc ça a été défaussé. On a ça. Donc là, il faudrait vraiment que. Ah, comment ça se fait? Il me manque une bleue. Tiens, j'ai une rouge encore. Et là, il y a combien de bleus? 2, 3, 4. Ah oui, il y en a une là-dedans. Je pense. Non? Ah oui. Bon, on va la mélanger. Ça, on remélange. Celle-ci, on remélange. Ah bah c'est mince, c'était celle qui restait, je suis bête. Donc voilà, là il faudrait finir à ce tour. Hein. Il faudrait vraiment finir à ce tour. Hein. Ouais, c'est ma seule chance. Alors lui, là on poche nos cartes. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on prend? Point de victoire. Une victoire. Une brique. Ça me sert à rien. Une étoile par pistolet. On n'a rien. Donc je me demande.
Activer deux fois. Ouais, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle vaut pas cher. Je vais prendre ça. Lui, qu'est-ce qu'il prend? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. C'est production. Non, c'est une action. Ok. Bon, après. Prendre ça. Prendre ça. Lui, il prend ça. Acte spécial. Et il prend une troisième carte. Donc là, ça va lui faire 15. 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. Voilà. Phase de production. Donc lui, il gagne 2 points de vie. 2 points de victoire. Moi, qu'est-ce que j'ai en production? Donc, 1 point de victoire. Donc normalement, ça doit être la fin. Il faut que j'ai plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, lui, il en a déjà 15. Faut que je bloque tout de suite son attaque et qu'après je pose un max de lui. Alors, pistolet, un pistolet. Deux, comme ça. Trois, alors trois. Trois et trois, six. Ça va m'en faire six. 3 et 3, 6. Ok. Ensuite, les jetons 1, 1, 2, 3. Donc, ça me fait 4. 4. Les petits jetons gris. Un jeton gris. Deux jetons gris. Ok. Une carte. C'est quoi? Des points de victoire avec de l'essence, mais ça vaut cher. Ça vaut très cher. Et un par essence, et ben j'en ai deux. Donc ça en fait deux essences. Comment on va faire? Est-ce qu'on va d'abord faire nos points de victoire? Celle-ci, on la défausse, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le dé, on l'enlève. Je pourrais lui détruire un lieu. Pour qu'il n'en ait plus que 14. Ça serait peut-être pas mal. Allez, on en fait deux pour prendre ça. On va voir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'elle n'est pas sur les affaires. Deux persos et deux rouges. Chanceux. Donc, qu'est-ce qui tire sur les deals? Une étoile, mince. C'est mon point de victoire qui me supprime. Donc, il gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ok, c'est peut-être ma chance. Parce que moi, je joue ça, je dépense un pistolet. Et je gagne 3 jetons. 3 jetons. Et je les place directement ici pour le bloquer. Ah ouais, mais. Ouais, après, en fait, il a combien? Il a 15. Il faudrait que j'en aie 16. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faudrait que j'arrive à poser tout ça. 4. Ah mais j'avais ça aussi. Ah ben non, je la faisais pas alors. Ah ouais, quel idiot, j'avais cette carte déjà. J'avais déjà cette carte. Bah je l'ai prise de toute façon. C'est pas grave, hein.
Comment on va pouvoir poser tout ça? C'est impossible de poser tout ça. J'aurais pas assez de jetons. Sachant qu'il me... Ah ouais, il me tue mes trucs, hein. Donc ça, est-ce que je le bloque maintenant? J'ai bien envie de lui supprimer un... Ouais, c'est pas grave s'il me supprime, mais maintenant c'est le dernier tour. Pistolet. Ouais, je vais peut-être pouvoir dépenser des meeples pour avoir des trucs. Mais il faut que je lui en détruise une. J'ai mes trois, ah, je les ai pas mis encore. Pas grave s'il m'attaque encore, il va peut-être gagner 3 points de vie, mais c'est pas grave. Donc, on fait ça. Je me dis, en fait, on va faire ça. On va poser celle-ci. Elle vaut 2. Qu'il faut la poser, hein, ou celle-ci, elle vaut 1. Celle-ci, elle vaut 2. Ouais, on pose ça. Ah non, faut mieux poser celle-ci. Donc pour 1, je pose ça. C'est un spécial. Ah ben non, c'est pas une prod. C'est pas une prod, donc c'est pas utile. Je vais gagner 2 pistolets. Donc je pose ça pour 2. Ou alors, en affaire, là je gagne 2 jetons. Là j'ai une des points de victoire. Celle-ci, elle valent vraiment pas cher. À combien exactement? Ah, là c'est dur, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. J'ai 10 cartes. Et lui, 15. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Il faut que je lui en détruise une. Et ben pour 2, on pose ça, allez. Pour 2, on pose ça. Pour 2, on pose ça. Sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'après, j'ai plus aucun jeton pour poser. J'ai plus aucun jeton après pour poser mes cartes. Je vais gagner au point de victoire, mais pas... Alors à moins qu'il me les sucre. Mais après, j'ai aucun. 1, 2, 3. Ou alors, oui, je le laisse tout me supprimer, mais il va gagner des points de victoire. D'accord. Et moi, je peux aussi peut-être lui en supprimer, mais... 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5, il me faudrait au moins 6 pour lui supprimer 2 cartes. Et pour upgrader des cartes, c'est pas possible. Ah là 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 là, ouais, là je suis mal. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ah non, j'en ai 11. Ah non, mais je l'ai posé. Ah d'accord. Bon allez, je l'ai posé, j'ai gagné donc 2 pistolets.
Ok, à lui, il m'attaque. Une étoile, ça échoue. C'est bon. À moi. Moi, à 3, qu'est-ce que je pourrais lui détruire à 3? Parce qu'après, je vais encore en avoir 3 et 2, 5. J'en aurai que. J'en ai 8 en tout. Ah ouais, j'en ai 8, j'aurais été bien et t'es content d'en avoir 9. Alors, je peux peut-être lui donner des points de victoire. Bon, déjà, qu'est-ce que je pourrais lui détruire si je fais 4 et 4? 4 et 4, là, j'ai des points de victoire. J'ai des pistolets, mais des pistolets, ça me sert à quoi, les pistolets? À rien. Là, c'est quoi? Ah, là, c'est des jetons. Ça peut être pas mal. Je détruis ça là. Je gagne 2 jetons. Je gagnerai 2 jetons. Ça peut être pas mal. Ah mais je suis idiot parce que j'ai aussi ça là. Ah mais c'est pour mes points de victoire. D'accord. Bon, allez, 1, 2, 3. On s'en fiche, il va nous attaquer. 1, 2, 3. On supprime ça. Donc on gagne, nous, 2 jetons gris. 2 jetons gris. Ok, à lui. Une étoile. Ah ben, il fait rien. À nous. Il me faudrait 4 points de victoire. 2 et 2. Ça, je gagne 2 persos. Celle-ci, j'aimerais bien la poser. Pour un jeton, je dépense un meeple et je gagne 2 points de victoire. 2 meeples, 2 points de victoire. Après, j'ai ça pour encore l'attaquer. On essaie. Ça, les pistolets, je peux peut-être essayer de me les garder. J'en ai 3. Ça, je pourrais gagner 2 meeples. Est-ce qu'on peut... Il faudrait que je casse encore autre chose. Parce que là, il va tomber à 13. 13. J'ai pas de jeton rouge. Ah, j'ai pas de jeton rouge. Et quand on les détruit, on gagne pas de jeton rouge. Là, c'est quoi? Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Point de victoire. Là, j'ai 3 persos quand même. Là, je peux gagner 2 points de victoire. Et après, il m'en faudrait encore 2. Douze, 13. Il m'en faudrait au moins 14. Ouais. Il faudrait au moins que je lui détruise encore un truc. Donc, on y va. On va essayer de jouer ça. Donc avec ça, on dépense 1 pour gagner 3 jetons. Voilà. Lui, qu'est-ce qui m'attaque? Bidon, j'ai pas de bidon. Donc pas de point de victoire. Ouh, on a la chance là, pour l'instant. Ensuite, j'attaque à 3 encore. Où est-ce que je le bloque? Non, je veux l'attaquer. Parce que lui, il en a combien des cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et j'en ai 3 là. 3 que j'aimerais poser.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et lui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. Ah ouais. Je peux pas les poser, ces trois-là. Si, je peux les poser. Je pourrais les poser. Mais il me faut aussi des points de victoire. Bon, on attaque. 1, 2, 3. On supprime. Alors, qu'est-ce qu'on supprime? On supprime pour avoir quoi? 3 points de victoire. Qu'est-ce que j'aurais besoin, en fait? Là, il me faut des pistolets. Et là, il me faut des enclumes. Des pistolets, il m'en manque un. Il n'y en a pas un où il y a des pistolets? Non, là, il y a deux. Où je prends trois personnages. Trois personnages, ça me sert à quoi? Là, je gagne deux. Est-ce que je peux vendre un truc à deux? Et non, ça vaut trois. Ça vaut trois. Est-ce que je peux détruire une carte à trois? Détruire une carte à deux, je ne l'ai pas. Là, je détruis ma carte, hein. Ouais. Ouais, mais je l'ai plus. Là, j'ai des meeples. Là, j'ai ça. J'ai un point de victoire, là. Deux briques à point de victoire. Ou... Ah, ben non. Oui, je fais ça. Je détruis celle-ci. Donc, je gagne trois persos. Non, non, en fait... qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai dépensé mes sous, hein, c'est ça. Donc, je crois que je lui détruis cette carte. Je crois que c'est ça, hein. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais je crois que oui, j'ai dépensé, hein. Oui, j'avais quand même trois cartes, il me semble. Hein. Trois cartes, hein, donc c'est bon. Celle-ci, je lui détruis ça pour prendre trois meeples. Parce que là, il me faut deux pistolets. Donc ça, je peux mettre ça. Et là, deux, j'arrive à 25. Donc ces deux-là, c'est nickel. Donc si je supprime ça... Ouais, parce que supprimer autre chose... Là, je gagne aussi deux meeples. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je supprime ça? J'arrive à 22. Et l'autre, je suis à 25 avec ça. Juste avec ça. Ou est-ce que... Ouais, bah ouais. 3 meeples, ça me fait gagner des ressources. Ah oui, je peux pas en mettre là-haut. Ah si, avec ça. Oui, donc je prends ça. Allez, 3 meeples. Allez, on prend 3 meeples. Je sais pas si c'est un bon choix, mais bon, 3 meeples. À lui, il m'attaque. Façon, je peux plus l'attaquer, moi, j'ai plus rien. Ah, il gagne 3 points de vie. 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire. Donc, il m'a sucré ça. On va sucrer ça. Ok. Donc moi, je ne la prends pas, la ressource. À moi. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je dépense ça pour ça, pour le bloquer maintenant? Parce que de toute façon, comme je ne peux plus l'attaquer... Ouais. Donc je dépense ça pour gagner deux jetons. Lui, il me réattaque. Un engrenage. Ouf, j'ai pas d'engrenage.
Donc c'est bon. Allô? Donc là, je le bloque. Là, je bloque. Je veux plus que tu viennes. Quoique c'était une production ouverte, celle que j'ai cassée. Ouais, mais je pouvais y aller qu'une seule fois, hein, je crois. Celle que je lui ai cassée, il me semble que c'était qu'une seule fois. Ouais, une construction ouverte, hein, c'est marqué. Non, il me semble même pas. Si. Je gagnais qu'un jeton. Donc c'était pas. Là, j'en ai gagné deux. Ok, donc maintenant je le bloque avec ça et ça. Et je joue. Donc, point de victoire. Qu'est-ce qu'on fait déjà? On en met un et un pour gagner deux points de victoire. Ok. Ensuite, un pour gagner un petit jeton. Ça m'en fait trois. Ensuite, je pose ces trois lieux à 1. Donc celui-là à 1, c'est un spécial. Celui-là, c'est action. Et celui-là, c'est action aussi. Voilà. Donc là, des lieux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et lui, il doit en avoir que 13. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc ça c'est bon, j'ai déposé mes trois lieux grâce à ça. Mince. Mince. Bon, faudra que je récupère. J'y vais de ce pas, sinon je vais oublier. Voilà. Voilà. Ensuite, mince. Ensuite, ben normalement ça doit être fini, hein. Je suis monté là. Après. Je peux faire ça. Donc avec un personnage et deux comme ça, je gagne 3 points de victoire. Quoiqu'ici, j'en gagnais aussi. Hein. Je peux le faire deux fois. Ouais, mais je préfère en avoir 3. Quoique. Oui. Un personnage et deux, ouais, c'est bon. Donc là, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ouf, on est arrivé là. Ensuite, ici, je peux dépenser un personnage et je peux le faire deux fois. Un deuxième personnage avec des briques, n'importe quoi. Donc je prends de l'essence. Je peux prendre deux essences. Et je gagne 2 points de victoire seulement. Pas terrible ça. Ouais, 2 points de victoire. Et ensuite, je peux dépenser un bidon. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est deux bidons. Ah, alors peut-être qu'on aurait fait plutôt ça. Ça, je garde en fait, c'est ces deux-là. Bon, ça me sert à rien de toute façon. Je voulais mettre un truc en. Mais en fait, ça me sert plus à rien. Ouais. Je voulais avoir un point de victoire, mais je n'ai pas de point de victoire de toute façon. Ça sert à rien. Mais si je mettais ces deux-là à la place, hein, ça me faisait pareil. Ensuite, je mettais quoi? Ensuite, je voulais, mince, hop là, la fin est dure. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Il m'en faut deux. Ouais, ça ne sert à rien. Deux. Là, je gagne juste ça, quoi. Ouais, là, ça ne me sert plus à rien. Ouais, deux pour gagner deux jetons bleus. Mais bon, il n'y a plus aucun intérêt. Un pour gagner un jeton bleu. Et trois pour le coller. Mais finalement, je vais gagner un bidon, ça ne me sert à rien. Une.
Allez, une. Et c'est fini. Allez, on s'arrête, on ne peut pas faire mieux. Donc, on va comptabiliser. Donc là, j'ai plus de points de victoire que lui. Hein? Et est-ce que j'ai plus de lieux? C'est surtout ça. Ça, ce sont les miens. Ce sont les miens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lieux. 14 lieux. Et lui, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, 13 lieues. Au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes. C'est ma carte qui me reste. Donc on regarde. Bilan. Vous gagnez si vous remplissez les deux conditions. Vous avez plus de lieux que lui. Vous avez plus de PV que lui. Et un survivant pathétique. Ouh, bah dis donc. Eh ben dis donc. Non, non, mais c'est super dur quand même. C'est super dur. Il n'y a pas. Il n'y a pas finalement. Finalement, je crois que le mieux dans ce jeu-là, c'est de poser le maximum de lieux. Quoi, dépasser tout ça, quoi. Et puis bon, faut dire que là, j'ai eu de la chance, comme pas possible. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur cette carte-là. Hein, qui m'attaquait que mes affaires. Donc au pire, il gagnait des points de victoire, quoi. Voilà, c'est vraiment le coup de bol. Et surtout, ce qu'il faut, c'est finir, voilà, au cinquième tour. Finir au cinquième tour, parce qu'il a 15 cartes. Je n'en ai détruite que 2 pour tomber à 13. Et moi, j'en ai posé et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que regardez mes cartes. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est que des 1 ou des 2. La seule qui valait 3, c'était. Alors je l'ai posé, pourquoi je l'ai posé celle-ci? Ça me paraît bizarre que je l'ai posé. Non, c'est que j'ai dû upgrader quelque chose. Il a dû me détruire mon lieu. Donc j'ai posé celui-là après. Mais que des 1 et que des 2. À mon avis, c'est la stratégie. Il faut garder que des cartes à 1 et que des cartes à 2 et pas beaucoup plus. Et. Mais c'est beaucoup trop dur. C'est quand même trop dur. Je trouve que même celui-là, il est trop dur. Quand j'ai fait ma partie d'avant où je me suis trompé, j'avais pas lu en fait. J'avais pas lu qu'ici, il fallait qu'on ait aussi plus de lieux que lui. Je croyais que c'était comme le jeu de base, quoi. On comptait après le nombre de lieux. Et on les additionnait, quoi, qu'il fallait pas forcément en avoir plusieurs. Alors moi, j'étais arrivé par ici, lui, il était par là. Enfin bon, c'était. Bon, je trouvais que c'était correct, mais ce qui m'avait quand même étonné quand j'avais joué, c'est que j'avais pris aucune carte de là. Pris aucune carte de là, parce que lui, il a eu 15 lieux, je crois, et moi, j'en avais que 9. Et j'ai jamais pioché une carte ici, parce que c'est au dernier tour que je suis monté à 9. Moi, je restais plutôt par là, un petit peu, quoi. Et je voyais pas trop quel est l'intérêt de venir jusqu'ici. Mais en fait, l'intérêt, c'est parce qu'on est obligé. On est obligé parce qu'on veut avoir plus de cartes que lui. Et donc là, il faut monter, au contraire, très tôt, au-dessus de 9. Oh, bah j'ai du pot, hein. Parce que la suivante, c'était celle-ci. Double attaque. Sur les lieux et sur les affaires. Et puis, autre chose. Chance que j'ai eue, hein. C'est qu'ici, j'ai chopé des munitions assez rapidement. J'ai chopé des munitions très rapidement. Ouais, bon, bah, quand même, celui-là, je trouve que il est quand même intéressant. Il est quand même intéressant. Il est beaucoup mieux que les deux autres, en fait. Le premier était trop facile et le deuxième étant trop dur. Celui-là, il est vraiment limite trop dur, quoi. Limite trop dur parce que. Je pense que dès le départ, on peut se faire laminer si on tire une mauvaise carte. Si on tire une mauvaise carte, par exemple, si on tire
Il me semble que j'en avais vu une qui me paraissait. Voilà, celle-ci. Si on tire celle-ci, là, par exemple, dès le départ. Dès le départ, si on tire cette carte, eh ben, on est très très mal. Parce que même si on n'a plus que notre lieu, hein, et nos affaires, il nous supprime toutes les cartes qu'on a en main. Au fur et à mesure. Hein, il va nous les supprimer. Alors, comme on a 5 ou 6 cartes, hein, comme on a 5 ou 6 cartes, eh ben, on va perdre toutes nos cartes. Lui va gagner des points de victoire parce que nous, on ne va jamais réussir à atteindre ça. Et si on arrête tout de suite, si on passe, eh ben lui, il a déjà 3 cartes. Ça va lui faire 6 cartes. Il aura déjà 5 cartes d'avance de poser. Quasiment impossible à rattraper, quoi. Quasiment impossible à rattraper. Quoique dès qu'on tombe sur cette carte, à mon avis, si on tombe au début là-dessus, parce que on n'a pas les ressources, hein. On n'a quasiment pas les ressources. C'est un bleu, je ne sais pas qui c'est qui a des jetons bleus dans les différentes factions là. Mais bon, pour avoir un bleu et ça, c'est quasiment impossible. Donc ce tour-là, il est perdu. Ce round-là, pour moi, il est perdu si on tombe d'entrée là-dessus. Et pareil, si on tombe sur un truc comme ça. Quoique, si on tombe d'entrée sur celui-là, ça peut être bien. Ça peut être bien. Comment ça peut être bien? Si on met des 10. Ouais. En fait, ça peut être pas mal parce que il suffit qu'on ait un jeton bleu et après on peut poser nos affaires. Enfin bon. Bah, c'est quand même bien. C'est quand même bien, mais je trouve quand même difficile. Quand même difficile. Il faudra que je regarde la vidéo, voir si j'ai pas fait trop d'erreurs quand même. Parce que c'est mince, c'est quand même difficile. Voilà, bon, bah, je pense que je vais m'arrêter avec ce jeu-là. 51e état. J'ai fait les trois automas. Les trois automas, ben, mon classement, c'est plutôt ben, lui en premier. Il a l'air vraiment difficile, mais faisable. Hein. Par contre, le deuxième, celui au dé, il me paraît difficile et infaisable. Et puis, bon, le jeu de passe, ben, si on applique toujours la même technique, bon, on gagne tout le temps. Je suis pratiquement sûr. Sauf vraiment d'avoir très très peu de chance, mais ça m'étonnerait, quoi. Voilà, à plus, au revoir.